savais que le voleur reviendrait. Il y a quelqu'un? Je pense qu'il y a personne. Là, ça peut pas être Mikis. Andrea? Les photos? Hey! La regarde là-bas! C'est le balafré! L'autre écharpe de soie a disparu! Regarde les traces de pas! Ça va peut-être servir à notre enquête. Tiens. Merci. On mange pas très bien ici. Arc. J'espère pour toi que tu vas sortir vite d'ici. Est-ce que t'as vu celui qui t'a fait ça? Il faisait trop noir. Mais j'ai senti ses cheveux. C'était comme du plastique graisseux. Le professeur Cavendish. Mais il peut pas être au Texas pis ici en même temps. Il a peut-être fait semblant de partir. Le professeur a les cheveux collés pis il a des lunettes comme ça. Mais il est pas le seul, hein? À moins que ce soit le balafré qui ait mis du gel dans ses cheveux pour le faire accuser à sa place. Pourquoi tu voulais le voir au juste? On m'a payé pour voler les cahiers de notes. Je vous ai menti quand j'ai dit que je les avais jetés. Et ton patron, il ressemblait à quoi? Il avait une longue cicatrice. Le balafré? Il faut le retrouver. Vous étiez avec Godefroy durant la conférence. Oui, je le connais bien. J'ai travaillé avec lui avant son accident à Java. Vous voulez dire en Amazonie quand il étudiait avec le professeur Cavendish? Je veux pas vous contrarier, mademoiselle, mais c'était bien à Java. Vous en êtes sûr? Cavendish avait obligé un guide à aller chercher une orchidée dans une grotte dangereuse. Godefroy s'est blessé en essayant de le sauver. Finalement, le guide s'est tué en tombant. Cavendish a toujours fait travailler les autres à sa place. Il s'est même approprié les notes de Godefroy. Mais pourquoi vous vous intéressez à lui? Ah, on veut faire une entrevue avec un orchidophile pour le journal de notre école. Ça, c'est une très bonne idée. Godefroy est un passionné. Venez, je vais vous donner son adresse. Godefroy. Peut-être pas dû venir. On sait toujours pas qui croire. Hey, toi, t'as qu'à prendre une photo. Y'a rien de compliqué là-dedans. Oui? Bonjour. Bonjour. Nous vendons du chocolat pour notre école. Voudriez-vous nous en acheter? Bien sûr. Tiens, ça va? Oui. Vous êtes la 100e personne qu'on visite. Ça nous prend une petite photo pour le journal de notre école. Ah oui, ben, je suis pas très photogénique, hein. Vous êtes la 100e, c'est le principal. Bon, descendez. Bon, parfait, parfait. On ne bouge plus. Je vais en prendre une autre pour la sécurité. Parfait, merci. Hé, hey, mais je vous reconnais. Vous étiez à la conférence de Cavendish? Vous vous intéressez vraiment aux orchidées? Oui. Ben, voulez-vous voir mes fleurs? Ben, on nous attend, on reviendra. Bon. Ben, vous êtes toujours les bienvenus. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
tu le reconnais? Celui qui m'a commandé le vol, il ne ressemble pas du tout. J'ai la même cicatrice, mais les sourcils sont moins épais. Cavendish ou Godefroy, je mangerais du brocoli pendant au moins une semaine pour savoir qui est le coupable. Wow! Ça peut pas être le balafré. Regardez, les traces de pas sont régulières, tandis que le balafré boite. Arthur, t'es génial! Andrea, ton pudding? Mais quoi? Mais oui! La vanille! Wow, vous êtes dur à suivre. Mais Kiss, est-ce que celui qui t'a payé boit? Non. Est-ce qu'il sentait la vanille? C'est vrai. J'avoue une odeur sucrée. Mais c'est odieux! Premièrement, moi, j'ai rien à voir avec toute cette histoire-là. Deuxièmement, Cavendish est sûrement pas allé au Texas. Il prend jamais l'avion depuis son accident au Pérou. Je pense qu'il veut vraiment ma perte. Mais pourquoi? C'est vous qui devriez lui en vouloir. Cavendish a volé mes notes sur la perle noire. Mais je suis à peu près certain qu'il sait pas comment les utiliser. Je comprends toujours pas pourquoi il a engagé Mikis. Pourquoi qu'il l'a attaqué? Pour avoir un témoin, pour que Mikis me décrive à la police. Mais il s'était déguisé en lui-même. Mais oui, mais Cavendish est rusé. De cette façon-là, il pourrait dire à la police que j'essayais de me faire passer pour lui. Ma sentence serait plus lourde à cause de la préméditation, en prison. Je pourrais pas poursuivre mes recherches. Il faut venger Mikis. Non. Laissez-moi m'en occuper. Il vous ouvrira jamais la porte. C'est nous qui l'attend, on doit y aller. C'est trop dangereux, je veux pas vous mêler à ça. À moins que... Hey, le vlog arrive! Il a mordu à la porte. Bonjour, Marie-Andrea. Bonjour, Arthur. C'est un charmant comité d'accueil. Professeur, nous savons qui est entré dans votre serre et nous avons des preuves. Intéressant. Et qui est ce mystérieux personnage? Vous, professeur! Les policiers pourront facilement identifier vos traces de pas. Et on vous a reconnu sur d'autres photos, même avec votre fausse cicatrice. Qu'est-ce que vous racontez là? J'étais au Texas. Ah oui? Et les lunettes que vous avez échappées en attaquant Mikis? Mikis a reconnu votre odeur de vanille. Vous n'aviez pas le droit de l'attaquer! J'étais au Texas! Cavendish! T'es fait! Bouge pas! Vous avez raison. Mieux vaut deux billets pour la Grèce plus tard qu'un aller simple pour la prison tout de suite. Et vous allez enfin pouvoir trouver la perle noire. Ça va prendre encore des années, hein. En rêver, finalement. C'est peut-être plus beau que de réussir à la trouver. Pense qu'elle va sentir le chocolat noir? T'es incroyable!